Alors ouais, je sais, on n'est pas en été, on est même au contraire de l'été puisqu'on est en hiver. Cette série peut changer de nom, c'est pas forcément que Captain Summer, ça peut aussi être Captain Winter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille. J'avais envie de tourner une vidéo quiz, j'avais pas forcément envie d'attendre l'été pour le faire, je me suis dit bon bah c'est pas grave, hein. On va juste changer le nom de la série puis... On en fera de temps en temps comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un quiz, vous l'aurez deviné, autour de l'univers Marvel, évidemment. J'en ai plein d'autres de prévus, pas que sur Marvel, mais là, je sors d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. J'avais ce quiz dans mes favoris de Chrome. Je me suis dit, eh bien pourquoi pas, lançons OBS et faisons une petite vidéo quiz. Ce quiz-là, le top 100 des super-héros Marvel. Et un top 100 qui ne s'arrête pas qu'au film. Un top 100 qui va aussi traiter de différents personnages qu'on n'a pas forcément vus tirés des comics. On traite de tous les personnages de l'univers Marvel, ou en tout cas de tous les super-héros. Je pense que là, si on rentre Galactus, ça ne marche pas en l'occurrence. Par contre, des anti-héros, faudra peut-être tenter. Des gens comme Loki, Silver Surfer, faudra essayer. Bref, du coup, petite vidéo tranquille, je vous propose ce petit quiz. Je crois qu'on a 15 minutes pour répondre. Le score moyen est de 40%. Il y a un total de 100 réponses, si je ne me trompe pas. Oui, je pense qu'on peut viser les 80. Je pense être assez calé dans l'univers Marvel pour sortir 80 super-héros, quand même. Ça ne m'étonnerait pas que je puisse monter à 90, mais on va viser 80. On va se dire, on est plutôt tranquille. 80%, ça sera le double de ce qui est en score moyen ici. On est parti, let's go! Alors, on a bien 15 minutes, ok, c'est parti. Bon, on va commencer par évidemment tous les Avengers. Iron Man, classique. En plus, j'écris pas bien ce soir, donc je sais pas si c'est la bonne idée, mais tant pis. Black Widow, Hulk. On va partir sur du Hawkeye. On va partir sur du Thor. Tiens, on va essayer Loki. Loki, ça marche pas, donc il n'y a pas tous les anti-héros. Ok, les Avengers, Ant-Man, la Guêpe. Hank Pym, je sais pas s'il est dedans. Non, il n'y a pas Hank Pym. Captain America, je ne l'ai même pas mis alors que c'est quand même un des classiques. Captain America, je me demande s'il y a son variant Captain Britain. Il y a son variant Captain Britain, donc du coup c'est Peggy Carter. Ok, Spider-Man, on va peut-être faire les trucs de Spider-Man. Il y a Miles Morales, donc ils ont mis les deux différents. Ok. Est-ce qu'il y a les deux Venom, Anti-Venom et Argent? Oui, il y a les deux Venom. J'ai envie de parler des 4 Fantastiques MDR puisque c'est. Un sujet actuel, MDR, parce qu'on va avoir des nouvelles dans pas longtemps, parce que Kevin Feige vient de parler de cet univers-là. Ah oui, par contre, c'est Monsieur Fantastique et pas les Fantastic Four. Sue Storm, donc ça, c'est Femme Invisible. Je sais pas si je me compte les prénoms. Si, ok, la chose, parce que j'avoue que je connais pas forcément le prénom de la Torche Humaine, par exemple. J'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié, ce serait intéressant de savoir. Ok, j'ai envie de tester Silver Surfer, du coup, est-ce que c'est un méchant ou pas? C'est considéré comme un super-héros. Ok. Daredevil. Spider-Man en ami, Thor, Doctor Strange, évidemment, Wong, Wong n'y est pas. Dans les Illuminati, il y a Black Bolt, il y a Professeur X. Ah, il faut peut-être que j'écrive Charles Xavier, ce sera peut-être mieux. Oui, Charles Xavier, Wolverine, peut-être faire tous les X-Men aussi. Oh, Gambit, oula, ça va être chiant ça. Gambit, Rogue, Psylocke, je sais plus comment c'est écrit comme ça. Mystique. Ah, Mystique, il le prend pas. Ok, Beast. Storm. Quicksilver, du coup. Scarlet Witch. Cable. Cyclope. Jean Grey. Oui, bien, c'est bien, c'est bien. Bishop. Ouais. Iceman. Parfait. Il y en a beaucoup des X-Men. Faut pas que je me focus que sur eux. Blade, ça va arriver bientôt, oui. Ah, il y a les Defenders aussi. Luke Cage. Iron Fist. Daredevil en ami, Jessica Jones, ça va être compliqué la suite, Cloak, les Avengers, Falcon, du coup Winter Soldier, Bucky Barnes, ouais parfait, Spider-Man, Spider-Woman, dans le film qui va arriver là, en mode ah, comics là, 3D, non Captain Marvel, oui Captain Marvel, Elektra avec Daredevil, putain, là faut que je plonge dans les comics aussi en même temps, c'est compliqué, mais déjà les films. Est-ce que j'ai fini autour des films? J'ai pas fait l'univers de Thor. Thor, il y a Odin. Thor, il y a Heimdall. Je pense que c'est considéré comme un super-héros.
Oui, les Dissifs, par contre, s'il y a tous les trucs. Waouh, ça va être chiant s'il y a tous les. Je les connais pas le nom. Hercule, peut-être? Hercule, oui, ça marche, Hercule. Ok, dans les séries Moon Knight, je pense qu'il y est Moon Knight. Oui, s'il y a Blade, il y a Moon Knight. Miss Marvel, She-Hulk. D'ailleurs, Hulk, je l'ai noté, normalement c'est bon. Nick Fury, je ne l'ai pas noté, mais je sais pas s'il est dedans. Si, il est dedans, ok. Magic, ouais. Avengers, War Machine, je sais pas si c'est Patriot. War Machine, c'est bon. Shang-Chi, il y est sûrement. Shang-Chi, il y est, oui, il y est. Doctor Strange, j'ai déjà mis. Wong, ça a pas marché. Ah, les Gardiens de la Galaxie, les Gardiens de la Galaxie, oui. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket. Oui, Groot. Oui, là, on est bon. Yondu. Non, Yondu, ça marche pas. Kraglin, est-ce que ça marche? Non, mais du coup, on a Adam Warlock. Dans le même, on a Nova. La Vision, que j'ai pas noté. Je pense pas qu'Ultron soit dedans, évidemment, non. Logique. Il me manque le numéro 1. Bizarre ça. Ah, l'X-Men, j'ai. Ah si, Deadpool. J'ai pas noté Deadpool. C'est lui le numéro 1. Ah non, c'est même pas lui. Ok, bizarre. Black Panther, j'ai pas mis. Est-ce qu'il y a Shuri? Je pense pas. Black Panther, Namor, peut-être en gentil. Oui, ça passe. Deadpool, il y a Colossus. Les X-Men, c'est chiant de tous les trouver, mais il y a moyen en vrai. Dans les projets aussi qui sont annoncés par Marvel. Et Wonder Man. Wonder Man, c'est vrai qu'il y a un projet Wonder Man. Ça va être par le réalisateur de Shang-Chi en plus. Destin Daniel Cretton qui va faire le prochain Avengers. Mais on s'évade du sujet. Cléa. Cléa, c'est un super-héros. Oui, c'est bon. Avec le prochain Doctor Strange. J'ai pas pris Valkyrie. Valkyrie, je pense qu'elle y est, non? Pas du tout. Ah si, elle y est. Elle y est. Il y a Valkyrie de Thor. Domino. Pour les X-Men. Il me faut des filles et des filles. Des filles. Crystal. Crystal. Combien, Dazzler. Je sais pas si c'est 2Z. Si c'est ça. White Tiger. Ouais. Medusa. Yes. Jubilé. Non. 2E. Ouais, c'est 2E, c'est pas 2L. Pride. Oh, je sais plus c'est quoi. Elle a un truc devant. Pride. Kitty Pride. C'est ça? Dis-moi que c'est ça. Dis-moi que j'ai une bonne mémoire. Ouais. X-23, est-ce que c'est considéré comme un super-héros? Oui. Dans les trucs annoncés, il y a aussi Sentry dans les trucs annoncés. C'est un gros truc actuel, ça, c'est les grosses rumeurs. Red Hulk dans le prochain Thunderbolt. Bah, on est déjà à 80. Franchement, j'ai déjà mon truc. Je pense que je peux monter à 90 large. Mais on est déjà à 80, j'ai même pas fait attention. Ah si, Spider-Gwen. Bah, je pense qu'ils l'ont mis Spider-Gwen si Captain Britain. Ouais, Spider-Gwen. Vu qu'il y a Hercule, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs dans l'univers de. Un peu mythologie comme ça. Hercule, j'ai envie de mettre Goliath. MDR. Ok. Là, ça commence à être compliqué. Il m'en manque pas beaucoup. Il m'en manque que 17. Hein. On a encore 5 minutes pour les trouver. Hein. Faisons un tour du côté des séries. Je pense qu'il en manque pas mal du côté des séries. WandaVision, on a fait. Falcon, on a fait. Loki, on a fait. De toute façon, il n'y a rien dedans. Hawkeye, c'est fait. Miss Marvel, c'est fait. Moon Knight, c'est fait. She-Hulk, c'est fait. Secret Invasion, il n'y a pas besoin. Iron Heart, ça marche pas. Loki saison 2, ça marche pas. Du côté des séries Marvel classiques, Daredevil, Punisher. Punisher. Luke Cage, on a fait. Iron Fist, on a fait. Jessica Jones, on a fait. Defenders, du coup, ben, c'est tous réunis. Les films Marvel qui sont pas MCU. Les 4 Fantastiques, on a fait. Ghost Rider. Oui, Ghost Rider. Ah, mais c'est lui le numéro 1, ok. Niveau film, je crois qu'on n'est pas trop mal. Mais il doit manquer des X-Men, des trucs comme ça. Les X-Men, c'est sûr qu'il m'en manque. C'est tellement compliqué. Diablo. Oh putain, Diablo, c'est. Ça, je sais plus. Bon, les films. Blade. Ah, bah, Black Knight, du coup. Nightcrawler. Oh, j'espère que je l'écris bien. Ouais, parfait. Nightcrawler, ça, c'est bon. Mais maintenant, il doit me manquer que des conneries. Polaris. 2S. 2R? Non, un seul R. Polaris, c'est bon. On a 88, hein, c'est pas mal. Mais là, par contre, là, faut que j'aille chercher super loin. Réfléchis. Khazar. C'est 2Z. Oh, 2Z, peut-être. Ouais, c'est 2Z, mais avec un espace. Hein, dans les spéciales. Manfing, dans les spéciales. Werewolf by Night, du coup. Werewolf by Night, je sais pas s'il le compte dedans. Il compte pas Werewolf by Night. Ok. Je pense que je trouverai pas les 10 derniers. À mon avis, ils sont un peu compliqués. Mais c'est déjà pas mal. Dans les films X-Men, de m'en manquer.
Angel. Et après, il y a des personnages un peu compliqués. Il faudrait que j'aille chercher dans ceux qu'on n'a pas trop vus. Madame L. Bah, c'est Ella et Madame Web. Madame Web, ça marche peut-être. Non. Emma Frost. Oui, Emma Frost, c'est sûr que ça marche. C'est sûr. Oui, c'est bon, Emma Frost. Et une minute, je trouverai pas les 8 derniers. En vrai, non, bah attends, 92%, c'est pas mal. Je trouverai pas les autres, c'est impossible. J'ai déjà sorti des dingueries, là, ouais. En 15 minutes, c'est pas mal. Lockjaw. Lockjaw, Lockjaw. Mais du coup, est-ce qu'il me... Genre, le collecteur, tout ça, enfin, je veux dire... Ah, oh, putain, le canard. Howard. Howard the Duck. Howard the Duck. Bon, c'est pas un super-héros, mais... Ok. Du coup, est-ce qu'il y a Cosmo, s'il y a Lockjaw? Y a pas Cosmo. 93. J'aurais pas les autres. Mais 93, 93, c'est pas mal. J'ai quand même juste hâte de voir ce que j'ai manqué. Mais à mon avis, il y en a, je pense qu'il y en a très peu que je peux trouver là. En vrai, franchement, vu la culture de l'univers que j'ai, c'est franchement déjà pas mal que j'ai tout ça. Je pense qu'il va me manquer que des trucs vraiment un peu compliqués. Déjà que j'ai pas mal de refs compliqués. Ok. Alors, qu'est-ce qui me manque? Songbird. Ça aurait été difficile de penser à Songbird. Beta Ray Bill. J'aurais jamais trouvé de ma vie Beta Ray Bill. Firestar, pourquoi pas, enfin, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mockingbird, non. Enfin, ce sont Songbird et Mockingbird, je les aurais pas vraiment trouvés. Silver Sable, ok, pourquoi pas. Avok, putain, c'est qui Avok? Dagger, Dagger, en vrai, j'aurais pu trouver Dagger. Non mais franchement, je suis plutôt fier de moi. Franchement, 93%, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis plutôt content pour le coup, là. C'est 40 le score moyen, hein. On est à 93. J'ai refilé tout le monde, les gars. Non, mais comme quoi, c'est bien de lire les comics, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qu'on n'a pas encore vus dans l'univers cinématographique de Marvel, pas que le MCU, mais genre au global de tous les films Marvel qui sont sortis depuis toujours. Il y a quand même beaucoup de personnages qui sont encore dans les comics qu'on n'a pas vus, donc c'est quand même important de les avoir lus. Je dirais que Dagger, j'aurais pu le trouver. Mais les autres, ça commence à devenir vraiment compliqué, parce que j'ai la ref d'à peu près tous là, mais genre c'est dans des comics... loin sa mère, très très loin sa mère. Non mais écoutez, c'est pas mal, moi je suis plutôt fier de moi. 93%, c'est un plutôt bon score. Voilà, j'avais envie de tourner cette petite vidéo tranquille parce que j'avais cette idée de faire un quiz là. Pff, c'est sorti en mode random. Ça vient de nulle part, mais je me suis amusé. J'allais dire, n'hésitez pas à faire le quiz de votre côté, mais bah, maintenant que vous avez vu toute la liste, bah, c'est pas logique, mais bref, c'est pas grave. Faites quand même le quiz de votre côté, n'hésitez pas à me dire votre score dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres quiz, etc. Portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.